Plaignon, fille de NAIO, la société de NAIO. Et je suis la présidente de l'association des ressortissants de Yopolo en France, en abrégé ADRIF. Bonjour Madame la Présidente Clarisse Plaignon. On se présente. Moi c'est Virginie Dibeu, je suis de Saïwa-Ville. Mm-hmm. Je suis la directrice de communication de l'ADRIF au Yopolo. D'accord. J'ai entendu dire que le 11 mai il y a quelque chose. Bien sûr. Ah oui. Oui, il y a un événement de grande taille. Le 11 mai. Oui, le 11 mai. Chers amis, parents, amis et connaissances, tu es de Yopolo, tu n'es pas de Yopolo. Le 11 mai. Voyez tellement je suis. Le 11 mai 2019, après l'espace Chevreuil, en 2017, c'est l'heure des projets. Le 11 mai, on s'est réunis au palais des congrès de Nanterre. Pour pouvoir. Ça pour faire quoi, ma chérie? C'est pour recueillir les fonds et aider nos parents de l'autre côté. Ces fonds, c'est pour réparer les pompes villageoises, les cantines scolaires et les pistes villageoises. Donc on lance un vibrant appel à tout le monde. À toute la diaspora. À toute la diaspora. De venir nous aider afin que nous puissions venir en aide à nos parents au village, grâce à vous, nous pouvons faire quelque chose. C'est le 11 mai, hein? Bien sûr. On n'est pas oublié. Hein? Oui, précisément à l'heure de 14h. De 14h jusqu'à 22h. Et donc, l'entrée est gratuite. Gratuite. Hein? Très gratuite. On mange gratuitement. On consomme. On consomme. Et, voilà. Et puis vous allez faire parler vos cœurs. Nous avons besoin de vous. Bonjour, monsieur le conseiller. On le fatigue, hein, mais on l'appelait le gardien du temple. Vous ne voulez pas quoi ce matin? Ah. Bien, nous sommes là pour te faire un petit coucou, surtout. Ça fait quand même beau. Le fatigue, hein. Mouah. On ne s'est pas vu, donc. Vous voulez quoi? C'est un petit coucou. Bah oui, bah on est venu te voir, hein, pour t'annoncer qu'on a envie de faire un vibrant appel. Et comme tu es le gardien du temple, voilà, tu es le conseiller. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien, je vous remercie mes enfants. Vous voulez faire une journée de solidarité, ça veut dire que vous voulez recueillir des fonds. C'est ça. Pour aller faire un petit truc au village à Yopolo. Mm-hmm. C'est une très bonne chose. Mais moi déjà, quand je vois votre affiche là, ça me fait plaisir. Parce que sur l'affiche, je vois presque tout. Il y a l'honorable Nyambo Kaku, qui vient du sud. Il y a au fait Adou Martial qui est du centre. Il y a monsieur Draman Sissé. Monsieur Draman Sissé qui est du nord. Voilà. Il y a Willy Alexis qui est de Yopolo. De Nayo. Yopolo. Et puis il y a madame Céleste Cupré. Madame Céleste Cupré. Qui est de Daloa. Qui est de Daloa. Mmh. Vous voyez, c'est une bonne chose. Tout ça, ça va dans le sens de la réconciliation. Tout ce que nous vivons dans la réconciliation. Mais ce qui est à retenir, c'est que toutes ces personnalités viennent pour donner quelque chose pour Yopolo. C'est ça qui est plus important. Nous sommes les grands gagnants. Vous voyez? Donc il n'y a pas de quoi. Il y a de quoi là à pouvoir se souder à propos de Yopolo. Pour que tout le monde se retrouve le 11 mai. Vraiment, je vous remercie de votre initiative, de cette grande initiative. Je demanderai pardon. Sinon pas pardon, je dirai à mes frères. Si vous voulez que je vienne d'embêter. Oui, oui, on veut bien. Bon, ben, je gagne à Babalien. Bon, à moi, on va conseiller moi, vous avez envoyé. Mais, ouais, il n'y a pas de gagner. Il n'y a pas de gagner. Que moi, je vais le gagner. Moi, au Giro, le 11 mai, dans la salle, dans la prestigieuse salle, je parlais du congrès de Nanterre, moi, au Giro, pour accueillir, 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 On dit bien le 11 mai 2019, de 14h à 22h, au palais des congrès de Nanterre.
Merci à la télévision Comme ainsi. Honoré Guégué. Oui. Honora Guégué qui nous accompagne depuis Belle-Lurette. Hein. Bien sûr. Et il était là le jour de l'investiture. Hein. Bien sûr, c'est voilà, encore là. Voilà, avec les belles images. Oui, bien sûr. La TV comme ainsi, tout est clair. Merci. Merci. On vous attend. Bisous. Allez. Bye. Bye. Bisous, bisous.